Nous avons donc maintenant une liste qui est publique de frais autorisés et de frais interdits. Nous avons mis en place également le système qui n'avait jamais été mis en place de justificatif. Tous les frais de mandat engagés par les députés devront faire l'objet de justificatifs, devront pouvoir être justifiés par les députés. Les députés devront pouvoir fournir, lors des contrôles, des justificatifs sur l'utilisation des fonds de l'Assemblée qui leur sont alloués pour travailler. Et enfin, troisième élément totalement nouveau, c'est un contrôle. Il ne sert à rien de faire des listes, de prévoir des règles, si on ne se donne pas les moyens de les appliquer. Et donc, le bureau de l'Assemblée nationale, en lien avec les avis de la déontologue, est prévu un système de contrôle. Et donc, tous les députés pourront faire l'objet de contrôle. Il y aura un système de tirage au sort pour que, sur la durée du mandat, chaque député sache qu'il pourra être contrôlé. Et lors des contrôles, évidemment, les députés devront fournir tout justificatif quant à l'utilisation de leurs frais de mandat, ce qui les conduira à tenir une comptabilité précise en permanence de l'utilisation de ces frais de mandat.